Bébé Lily est un bébé à croquer, toute blonde, avec de grands yeux bleus. Elle est très en avance sur son âge. Elle dit déjà « maman, papa, papy, gâteau ». Elle commence tout juste à marcher et joue tranquillement avec ses jouets dans sa chambre. Un amour de bébé. Ses parents en sont très fiers, mais ce qu'ils ignorent, c'est que bébé Lily sait aussi tourner les pages d'un livre, se servir du téléphone, surfer sur Internet, piloter une navette spatiale, marcher sur les mains ou désamorcer une bombe nucléaire, et bien d'autres choses. Lorsqu'elle est seule et qu'elle joue, bébé Lily se métamorphose en super-héroïne. Les jouets s'animent et sa chambre devient le décor d'aventures incroyables. Personne ne sait tout ça. Personne, sauf son papy, qui est à la fois son meilleur ami, son confident et son conseiller le plus sûr. Son papy, c'est tout pour elle. Et elle est tout pour son papy. Allô, papy est là, il est là, papy, 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 allô.
j'adore mon papy. Il m'apprend plein de choses. C'est toujours à lui que je demande quand je ne sais pas quelque chose. Et c'est à lui que je parle quand ça va pas. Mon papy, il est trop gentil. Je l'aime trop. Je sais qu'il sera toujours là pour moi. Oh non, pas toujours. Non mais... Mais tais-toi, imbécile. Oh bon, qu'est-ce que je dis? Comment ça, il sera pas toujours là pour moi? Qu'est-ce que tu veux dire, gros poteau? Bon, en fait... Lily, il veut dire que toi aussi, tu vas grandir et que tu auras des... Des enfants et des petits-enfants. Et que peut-être un jour, tu n'auras plus besoin de ton papy. Voilà. Ben voilà, c'est exactement ce que je voulais dire. Et aussi qu'il n'est pas éternel. Pas éternel? Papy... Oh, mais qu'est-ce que j'ai dit? Oh, mais t'es vraiment, vraiment trop nul, hein. Tu vois pas que t'as fait de la peine à Lily, hein? Espèce de... Popotame! Bien envoyé! Hein? Bah, Bonimoule, qu'est-ce que j'ai dit? Mais tu vas l'enfermer! Gros bagabou! Ouais, allez, viens, gros bétard. J'adore les câlins. Je m'appelle Gros Poteau, j'ai la forme d'un gros tonneau, mais je tombe. Voilà, il est possible qu'il existe une
fontaine sur laquelle se trouve un vase magique qui peut exaucer tous les vœux. Wow! Cool! Je peux demander la jeunesse éternelle pour mon papy? Affirmatif. Et elle est où cette fontaine? D'après mes calculs, quelque part dans la jungle. OKW, règle ton super GPS spatio-temporel. Direction la jungle. Vous venez tous avec moi à la recherche du vase magique? Ok, on y va! Temporel a eu un petit problème. Allô, chérie, tu ne
devinera même pas où je suis là. C'est très glamour. Les garçons sont un peu rudes, mais si craquants. D'ailleurs, il y en a un qui ne me lâche plus. Mais on est où là? Eh bien, je crois que nous sommes en pleine préhistoire. Ah oui, la préhistoire. Quoi? Vous savez ce qu'on fait dans la préhistoire? Et qu'est-ce qu'on fait? On s'enfuit! On danse dans la préhistoire. On chante, chante dans la préhistoire. On vit dans la dinosaure. On court, court dans la préhistoire. On fait du toboggan sur le diplodocus. On monte sur les volcans et on s'enlève les puces. On dessine dans des grottes, fait du feu avec des pierres. Le petit tricératops, il court derrière sa mère. Le tyrannosaure a croqué dans un caillou. Il sourit sans ses dents, danse avec Marlou. Et ça fait oi oi oi, aïe aïe aïe, quand on s'amuse dans le bas. On danse, danse dans la préhistoire. On chante, chante dans la préhistoire. On vit dans la dinosaure. On court, court dans la préhistoire. On marche dans des collines de coquillages. On chasse les papillons à côté des nuages. On laisse des empreintes sur les murs des cavernes. Nos visages sont peints et on fait peur aux T-Rex. Des hommes de Cro-Magnon sculptent des dinosaures qui pendent dans des huttes au concert des brontosaures. Et ça fait aïe 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 quand on s'amuse dans le bar. On danse, danse dans la préhistoire. On chante, chante dans la préhistoire. On vit dans la dinosaure. On court, court dans la préhistoire. Allez, saute sur un pied, attention l'aiguille. Allez, saute sur le pied, attention aussi. Allez, on lève les bras, on tourne comme des hélices. On va de gauche à droite, allez, rejoins-nous. Et toi, gros dino, toi qui es si vieux, tu dois savoir plein de choses. Tu sais où je peux trouver la fontaine éternelle pour garder mon papy toujours avec moi et donner du bonheur à tout le monde? Aide-moi, s'il te plaît. S'il te plaît, gros dino. À travers le désert, les montagnes et les mers, faire le monde entier, peu importe si on rêve, si on perd, et chercher derrière les étoiles, et trouver la fontaine, pour enfin faire un
existe quelque part. Un soleil qui se lève pour nous montrer le chemin, l'espoir. Cet amour nous rendra immortels et emporter sur nous ce que pourra
pas possible. Tout est fini. Nous avons échoué, les enfants. Nous sommes perdus. Bébé Lily et ses amis retrouveront-ils le vase magique? Tout ça pour rien. On retrouvera jamais plus le vase. Et tous nos espoirs se sont envolés avec lui. Mais qui sont ces masques? Pourquoi veulent-ils le vase? Qui les envoie? Et puis à quoi bon? Tout est perdu de toute façon. Tout n'est peut-être pas perdu, Lily. J'ai posé un traceur sur le vase. Wow! T'as posé ta sœur sur un vase? T'as une sœur, toi? Alors c'est une robot! Mais non, un traceur, stupide animal. C'est un petit émetteur GPS qui permet de suivre sa trace sur l'écran. Regardez. Regardez! Le vase est situé en pleine mer. Les masques l'auraient-ils jeté? Ou alors, il est sur un bateau. Bien vu, Bunny Boon. Je parie qu'il est sur un bateau pirate. Un bateau de pirate? Oh là là! Bravo W, tu es vraiment le meilleur. Wow, W, t'es trop beau mon robot. Oh là 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 là, c'est chaud. Bah ça alors. Oh qu'est-ce qu'il a de mieux que nous celui-là? Espèce de boîte de conserve. Bah wow, W, bah wow, W, bah wow, W, bah wow, W. Thank you.
Prends garde à toi, bébé Lily. Oula. Aïe, tu m'as fait mal. Arrête. Je me rends, c'est bon. T'as gagné, t'es la plus forte. Tu vas me dire où sont les masques et le vase? On sait qu'ils étaient sur ce bateau. Oui, c'est vrai, j'avoue. Mais quand ils vous ont entendu arriver, ils se sont volatilisés comme par magie. Je jure sur la tête du capitaine Crochet que c'est vrai, je vous ai dû lire avec lui. Échappée belle. J'ai les fils qui se touchent. Oh, je crois qu'on s'est échoué sur une île. Mais où est Benny Boone? Benny Boone, où es-tu? Oh, Benny Boone, il est tout mort. Non, il respire. Allez, réveille-toi, mon lapin. Allez. Oh, réveille-toi. Allez, réveille-toi. C'est trop salé. W, vite, réactive ton GPS. Dis-moi où ils sont maintenant. Oh, j'espère que vous n'avez pas peur des Indiens. Le signal indique le Grand Canyon dans le désert du Nevada. Oh, chouette. On a toujours rêvé du Far West. C'est trop cool. Nom d'une carotte râpée. Qu'est-ce qu'elles peuvent être nunuches, là? Allez, suivez-moi. Ok. Direction Far West. Elles se prennent pour des VIP. Very important poupée. Oh, Pamela, je kiffe grave ton costume. Ben alors, Donatella, tu ne t'es pas encore changée? Attends. Hop. Magazine.
j'ai été coupée. Traçons la route, bison futé. J'entends venir bébé Lily. Ok, Hugues. C'est la bagarre dans le salon. Oh, bibiola! Oh, bibiola! Oh, bibiola!
Génial! On a récupéré le vase magique. Je vais appeler papy pour lui annoncer la bonne nouvelle. Clochard passé. Mais lâche mon vase. Oh zut. Va-t'en, vilain masque. Non, mais c'est quoi ces manières là, eh? Il faut se calmer un peu là, eh? Non, d'une pizza quatre fromages. Bon, en tout cas, merci. Vous venez de me délivrer de 3000 ans de captivité, étrange créature. Mais tu es qui, toi? Qui? Moi? Mais je suis le génie des vases magiques. Et je suis là pour réaliser un vœu. Un seul. Bon, c'est qui mon maître? La planche à pain ou la couche culotte? C'est moi. Non, c'est moi. Génie, je m'appelle Lily. Je suis juste une petite fille qui voulait un vase magique pour donner à son papy la jeunesse éternelle. Et cette chose me l'a volé au moins 4 fois. Et moi, je suis un prince. Je viens d'un pays très lointain. Un sorcier m'a volé mon trône et mon royaume. Il m'a jeté un sort et j'ai besoin de ce vase pour sauver mon pays du chaos et de la terreur. Et pour donner à mon peuple bonheur et prospérité. S'il vous plaît, sauvez-moi. Sauvez mon peuple. Tu vois mon petit papy, j'ai fait tout le tour de la terre. Pour te garder à jamais près de moi, mon petit grand-père, dire que rien n'est éternel ici, dire que l'on s'oublie. Regarde-moi dans les yeux. Mon filtre magique, c'est toi. Tu es toute ma raison de vivre. Je serai toujours là pour je toi. Ce vase est d'apporter le bonheur à tout un peuple. Et la destinée de mon papy est de vivre auprès de moi le plus longtemps possible. Je viens de comprendre que parfois, même si c'est triste et injuste, certaines choses font partie de la vie et il ne faut surtout pas les changer. Tiens, beau prince, va sauver ton peuple, cours! Merci, Lily. Je t'en serai éternellement reconnaissant. Oh Lily, bambina bella, je suis vraiment très heureux et très fier de t'avoir rencontrée. Tu es vraiment la petite fille la plus incroyable que je connaisse. Et comme tu as été si gentille et si compréhensive, je vais te dire un secret. Approche. Capito? D'accordo? Au revoir, Lily. Merci, Génie. Ciao, bambina. Au revoir. Ciao, ciao. Oh, sole mio, che fromaggio. Il est génial, mon génie. Bunny Boone, gros
poteau. W. Pamela, Cecilia, Donatella. Vous êtes prêts? Ah oui, 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 on est prêts. Mais prêts à quoi, en fait? Vous savez quoi? Il paraît que sur la planète Artemis, dans la galaxie d'Orion, il existe une pierre magique capable de réaliser tous les vœux qu'on veut. Oh non! C'est reparti! Chouette! Youpi! Allumez les moteurs. Déclenchez les moteurs. 1, 2, 3.
A bientôt.